Voilà, donc avant de parler au monsieur, hein, évidemment, on va faire une petite visite du camp. Trouver des coffres, tout ça. Alors, où est-ce qu'il faut aller pour trouver des nouveaux coffres? On va parler à personne, hein. Je suis solitaire. Y a pas un coffre ici, là, caché, non? Ah, bien. Petit défi, donc, contre des gens toujours aussi moches, hein. Oh là là. Non, mais c'est une faute de goût, là. Franchement, c'est des fautes de goût. Alors, je suis pas très avantagé, enfin, on verra bien, hein. Je crois qu'il fait... Lui, il a des... c'est un vrai gardien, lui. C'est sûr? Non, ça va. C'est un mauvais gardien. Quel but! Les moissons du cœur. J'adore le nom d'équipe, pas mal. Enfin, c'est très moche, mais voilà, quoi. Quoique, l'équipe Raymond... cocktail vitaminé, eh bien... Bien, ça sert à rien, c'est tellement... C'est certainement rien que j'ai dit bien. Alors, il y a un coffre de l'autre côté, ça je le sais. Il suffit de passer ici. Et hop là! Et tout ça pour gagner des crampons ailés, voilà. Voilà, vous avez compris. Ok, donc ensuite là, il n'y a pas de coffre sous le pont, ça je le sais. Là, il y a des terrains de tennis. Qui sont tout petits. Et on a donc des gants de triomphe. Alors les gants de triomphe, qu'est-ce que les gants de triomphe? Donc si on s'était pas, on n'avait pas joué contre Teria, on aurait eu toujours des gants pas très utiles en fait finalement. Je pensais qu'ils étaient au moins du même niveau, mais même pas, donc bien pourri. Et donc il reste plus qu'à les affronter. Alors ça va pas être de la tarte. Moi j'ai légèrement galéré contre eux, donc j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. C'est parti, vous allez voir que leur niveau commence vraiment à être élevé dans le jeu. C'est même... enfin, si je me souviens bien, hein, je peux me tromper, évidemment. Donc, là, en attaque, je vais... je vais mettre Eric, parce que comme j'ai un doute sur quelque chose, au pire, je changerai après. J'ai un doute sur le déroulement du match. Parce que oui, je suis pas allé jusque-là quand ça a bugué, mais... savoir si lui, il est sur terre. Non, voilà. Ok. Donc Sean serait pas efficace contre Taren, voilà. Donc on va voir leur nom. Vous pouvez voir qu'ils ont un rapport quand même avec, pas forcément dire le poker, mais en tout cas entre les jeux d'argent, parce qu'on a donc la chance, donc random, ce qui veut dire au hasard, fake, qui veut dire bah, faux, évidemment. Hein. Liv, c'est quelqu'un qui part, par exemple. Michap, je sais pas, par contre, je m'en ai pas. Bad Game, c'est un mauvais jeu, donc lui, il joue très mal, à mon avis. Il est très moche, hein. Oui, pas avoué. On a Lucky Man, l'homme chanceux. Ben là, c'est pas besoin d'en dire plus. L'homme riche. Fate. Espoir. Besoin de Fate. L'espoir. Non, hop, espoir. Bref, Fate. On a donc Monsieur Poker, tout simplement. On peut pas se tromper, vu son nom. Et on a donc Dusk Play, que je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, il faut dire que globalement. C'est pas des excellents joueurs. Et je me rappelle pas qu'ils étaient que niveau, entre guillemets, que niveau 29. C'est pas des excellents joueurs, mais par contre, Darren Lachance est un gardien qui est très très intéressant. Vous pouvez voir quand même que, bon, pour son niveau, il a quand même des stats assez hautes. Et on a donc le cracker, le failing, celui qui rate, Kotz, je sais pas ce que ça veut dire, le batteur, je sais pas ce que ça veut dire, et le passing, c'est celui qui fait des passes. Bonne note. Bref, voilà, vous avez vu que c'est une équipe que je trouve assez sympathique sur le papier, comme ça, à regarder. Mais qu'est-ce que ça vaut sur le terrain, c'est autre chose. Donc, oui. Donc maintenant que lui, on voit que c'est un type plante. Le mieux pour être un type plante, c'est évidemment donc le type feu. Mais je vais
utiliser Eric pour le premier tir si j'arrive à le faire. Parce que je veux voir si c'est scripté comme je le pense ou pas. On va voir. Voilà, ok, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, je vais tirer. Donc pour lui, je vais faire le tir glacial. Et on va voir si c'est scripté ou pas. J'ai un doute. Dans toute la même scène, mais je sais pas si je peux la passer ou pas. Je sais pas si c'est scripté ou pas. Ah bah non, c'est pas scripté, ça va. Donc il a fait la main et on peut le passer facilement. Donc le match en fait il sera pas si dur que je le pensais, parce que si le tir glacial du monsieur passe, alors y a tout qui passe quoi. Ok, donc ce que je vais faire, je vais remettre donc Sean ici. Avec son Blizzard Eternal niveau 2, peut-être que ça fera l'affaire, on verra bien. Voilà, voilà, et voilà, on y va, à l'attaque. On va tenter le tacle. Coupe éventail. Coup d'éventail, pas coupe éventail. Il a le droit d'utiliser des trucs comme ça, l'arbitre, là. Allez, Lucky Man. Trépied turbo. Je veux savoir comment il fait pour comment ils font pour écraser la balle comme ça, quoi. Allez, le mur! Ok, c'est parti, on part à l'attaque. Vous pouvez voir que je suis déjà presque à leur niveau. Ah non, mais non, je l'ai fait trop proche de lui. Oh, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve de jouer mal, ça m'énerve, ça m'énerve. On va tenter l'escanner en défense, ça devrait bien se passer. Nickel. Allez, on va mettre pause pour savoir où on en est. Continue. Allez, on avance. Ça devrait bien se passer là pour la contre-attaque. Donc, mais il me touche pas. Non, mais franchement, le jeu il m'énerve là. Il me touche pas, le mec. On va tenter le Blizzard éternel avant que lui fasse la frénésie. Et si ça passe pas, ben ça passe pas, c'est pas grave. Alors suspense, est-ce que ça va passer contre sa même... Celle-là je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr du tout. Ah ça passe quand même, ça va. Après il faut dire que Main Céleste c'est du type terre, donc le fait que je fasse une attaque de type R, c'est avantageux pour moi. En même temps, bon, je sais pas trop, je sais pas si c'est vraiment assez précis comme jeu, je sais pas. Ah, frénésie. De toute façon, moi je peux pas défendre, donc de tous les cas, moi je suis vraiment pas sûr que ce soit autorisé normalement. Allez, on va faire la frénésie nous aussi alors. J'ai quand même un sacré avantage, ça devrait passer même s'il me fait quelque chose. Et putain, je suis bête, il peut plus. Pourquoi je fais ça? Il peut plus, il a plus de points de technique pour passer. Quoique s'il avait accélération, ça aurait pu. Mais il a pas. Hein. Et voilà, mais là, avec l'attaque Kung Fu, c'est même pas la peine, hein. Ça passe comme dans du beurre. Hein. Enfin, j'y pense. Oui, ça c'est bon. C'est bon, normalement ça passe. Oui, j'étais en train de réfléchir. Mais vu l'avantage que j'ai, il devrait pas y avoir de soucis. Voilà, 3-0 à la mi-temps. Bon, ça va, je me rattrape un peu. Continuez comme ça. Alors, est-ce qu'à la mi-temps il va y avoir un truc spécial ou pas? Je sais pas. Hop, hop, continuez. Et puis, on verra bien. Allez, un petit tacle. Eh mince. Allez l'arbitre, Sif. Ah esquive, on tente d'esquive. Ah oh, il a arrêté la subtilisation quand même. Bon ok, à mi-temps, tant mieux, on arrête là et on verra bien ce qui se passe.
Oula, là, ça bug un peu le son. Là. Sauf que tu étais déjà comme ça, hein, t'avais pas besoin de te mettre dans tous tes états. On va rester comme ça. Quoique, non, on va pas rester comme ça. Un menu. Elle, elle est du type R, ok. Non, je m'en fous. R, R. Bah, j'ai que des types R, c'est pas marrant, mais en même temps, c'est mon type préféré. Donc, quoique, bon, je vais rester en Sean Frost. Il a encore de quoi faire. Hein. Ah, mais non, j'aurais pas dû faire ça. Bah, si, en fait, c'est très bien. Voilà, et là, on va passer. Allez, au ballon illusoire. Et c'est parti pour l'attaque. Parce que là, ça va être champ libre. Oh mince. Oh Sean, faut être plus rapide, hein. Faut être plus réactif là. On va tenter le double rafale, contre la subtilisation, c'est bon, ça passe. Ok, juste avant la fin de la frénésie, Blizzard Eternal, eux ils l'ont perdu la frénésie, enfin ils ont plus la frénésie, donc ça devrait bien se passer. Ah mince, l'enfoiré de jeu. Ah l'enfoiré de jeu. Oh non, il a bloqué. J'y crois pas. Je me suis fait avoir comme un bleu là. Par contre là, je vais être un peu dans la merde. Oh, oh, dommage. Jean il a pris la balle, il était même pas dessus. Bon, bah c'est autant un carnage que la première mi-temps en fait là, finalement. Donc Sean ne peut plus rien faire, par contre, la fin de la bombe, t'inquiète. J'adore cette fin de la bombe, elle me fait délirer. Mais je préfère la pastèque personnellement. Et vraiment elle... Ah mais non! Oh là 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 là, mais je joue mal, purée, mes contre-attaques que je rate, c'est honteux. Ah c'est que ils essaient de faire des trucs, hein. Allez, 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 ça passe. Pas faute, et tu peux contre-attaquer derrière. Voilà, c'est bon, ouf. Allez, l'attaque Kung Fu, parce que là j'ai envie de les achever. Non mais tu crois que tu vas l'arrêter? T'es fada toi. Et 4-0. C'est un petit score quand même pour le coup. Voilà, donc Marshall est un personnage que si vous avez besoin d'un attaquant de feu pour remplacer Axel, peut faire l'affaire avec son attaque Kung Fu. Vraiment très intéressante. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais remplacer Sean par... Victoria, donc pour faire le tir arc-en-ciel, il y en a qui auraient voulu voir. Donc, vu que Darren n'a plus de points techniques, ça devrait passer. Et comme je peux tirer d'assez loin, si je peux avoir la balle, assez rapidement, pause. On va passer en arrière, c'est parti. Oh, le bâtard de jeu! Ah le bâtard, il était même pas sur la balle, je suis dégoûté. Ah non. Allez à l'attaque, on va essayer de faire les tirs arc-en-ciel pour en faire découvrir aux autres. Ok, on va tenter de tirer de loin, on va essayer d'éviter les adversaires. Tir arc-en-ciel, c'est parti. Et il arrête pas, c'est magnifique. Et voilà, 5-0 pour terminer. Bon, ça s'est mieux passé que je pensais quand même quand j'ai vu ma... Quand j'ai vu la manière dont j'ai joué au défi contre Kirkwood, je me suis dit c'est foutu.
Voilà, c'était magnifique. Le tir arc-en-ciel. Ouh, ça a bugué. Alors j'espère que... Parce que tout à l'heure ça a fait ça juste avant de bugger. Alors j'espère que ça va pas le refaire. Le petit tir pour finir, hein, ça peut toujours marcher. Hein. Voilà, fin du match. Alors combien de points on va gagner? 50-50, hein, c'est bien. Hein. Oh ben voilà, déjà c'est beaucoup plus intéressant comme, comme match. Hein. Soit qui monte de deux niveaux et personne n'apprend de technique évidemment. On gagne un vieux badge, les chaussures du soir et un le maillot. Ok.